Ah, le versus fighting, autrement appelé Kabuto Game au Japon, ce sont les jeux de combat qui opposent deux adversaires la plupart du temps avec une jauge de vie qu'il faut réduire à zéro pour gagner. Ces jeux ont été très populaires, même maintenant, mais ont atteint leur âge d'or à peu près dans les années 90, c'est-à-dire l'âge d'or du jeu vidéo dans les Game Center au Japon. Les tout premiers jeux vidéo de versus fighting, donc les jeux de combat, ont vu jour dans les années 80, c'était avant le Beat'em All. Il faut savoir que les jeux de versus fighting sont sortis avant. C'était des premières sortes de personnages qui devaient s'affronter les uns contre les autres. Malheureusement, ça n'a pas eu un grand succès en raison de la simplicité, peut-être des techniques. Mais tour à tour est venu le temps du Beat'em All. Les tout premiers jeux de combat qu'on connaît actuellement comme Street Fighter ont puisé leurs ressources dans ce style de jeu, c'est-à-dire un style de jeu où on incarne un personnage qui doit taper tout ce qui bouge autour de lui pour avancer lors du stage. Heureusement, l'époque du Beat'em All a plus ou moins été révolue à partir de la sortie de Street Fighter 2. En effet, Street Fighter 1 n'avait pas eu un véritable succès. Street Fighter 2, quant à lui, était sorti en 1991 et il va plus ou moins tuer à cette période le Beat'em All. Il a été produit par Capcom et le succès fut immédiat. C'était une réelle furie dans les bornes d'arcade, un véritable phénomène qui permettait aux joueurs de s'affronter après les cours, les uns contre les autres, en ayant des personnages qu'ils préféraient. Les commandes n'étaient pas simples à exécuter et quiconque réussissait à faire le Dragon Punch, c'était vraiment considéré comme le dieu de la salle d'arcade. Il faut savoir que le Dragon Punch est une des techniques les plus difficiles à accéder aux débutants, mais une des plus utiles en combat dans Street Fighter. Le succès du versus fighting vient du fait qu'ils ont commencé à jouer en face à face sur des bornes différentes, c'est-à-dire que lors des tournois ou même lors de jeux simples dans les Game Center, les joueurs s'affrontaient sur des bornes différentes. C'est ainsi que les joueurs devaient deviner ce que le joueur adverse réalisait comme technique sans le voir. C'est aussi le début de ce qu'on va appeler le mind game. Le mind game, c'est-à-dire comprendre la psychologie de son adversaire. Et c'est ce qui va faire un certain succès au versus fighting, ce qu'il n'y avait pas forcément dans les anciens jeux de combat. Fatal Fury va sortir pour contrer Street Fighter sur Neo Geo, une console qui a énormément de succès sur le jeu vidéo de combat. La Neo Geo était très chère mais permettait de jouer avec une qualité proche de salle d'arcade. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu un franc succès. SNK, une grande firme du jeu de combat, va ensuite sortir Art of Fighting, qui va proposer quant à lui une barre de magie. C'est alors que des manipulations seront plus complexes à réaliser, les joueurs vont devoir découvrir des techniques secrètes. SNK va sortir à la suite de nombreux jeux de combat qui apporteront du différent contre Capcom. Street Fighter va toujours primer. Ils sortiront une version alpha qui va marquer encore plus les joueurs en revenant à une source plus timing. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer en fonction d'un certain laps de temps entre les techniques. C'était l'apogée du jeu combat en 2D. Sega va alors sortir Virtua Fighter en décembre 1993, qui est un jeu 3D cette fois-ci. Ça va être une véritable révolution du marché du jeu de combat. En effet, jamais un jeu 3D de combat n'avait été fait. Street Fighter 2 se jouait, lui, avec 6 boutons. C'était un peu plus complexe de réaliser une technique. Virtua Fighter, quant à lui, va se jouer avec 3 boutons. Le bouton de poing, le bouton de pied et le bouton de la garde. Il y a un déplacement dans l'espace qui va ouvrir de nouvelles portes au jeu de combat grâce au jeu 3D, les déplacements latéraux. En effet, l'esquive va être plus présente que les anciens jeux de combat sur un axe horizontal. Le deuxième opus sortira près d'un an plus tard, c'est le jeu de la Saturn qui va marquer le début de cette console. Dorénavant, Namco va sortir Tekken en 1994, un jeu qui sera des plus brutales. Il fera sa sortie en arcade et sera le hit combat qui sera adapté sur PlayStation. Tekken, lui, se joue à 4 boutons. King of Fighters, réalisé par SNK, va rester en 2D pour contrer les grosses firmes comme Soul Edge et Soul Calibur et sortira en 1994. Il inaugure un style de combat par équipe de 3 personnes. Namco sort quant à lui Soul Edge, comme je l'ai dit, et Soul Calibur en 1995. Les jeux 2D comme Guilty Gear et Virtua Fighter marchent toujours autant.
Virtua Fighter 4 va inaugurer encore une fois avec le jeu en ligne par carte. C'est-à-dire que sur une borne d'arcade, vous pouvez posséder une carte qui va vous permettre de faire une identité de joueur. Celle-ci va vous permettre ainsi de pouvoir jouer comme un petit peu un réseau en ligne et d'accéder à un classement. Tekken 5 va réactualiser ceci en ajoutant quelques options de personnalisation supplémentaires à cette carte. Temco sort quant à lui Dead or Alive sur Saturn en 1997 et sur PlayStation le réadaptera en 1998. Comme je l'ai dit, les tournois vont accentuer le côté mind game des jeux de combat et des commentateurs vont naître. Ken Bogard en est un exemple. En effet, les tournois de jeux vidéo ont toujours été un franc succès auprès des personnes qui adorent ce style, mais le jeu de combat va quant à lui véritablement soulever les foules. Les jeux de combat sont réputés pour organiser des tournois qui se réalisent la plupart du temps dans les game centers ou alors dans des salles spécialisées. Ils opposent différents joueurs qui n'ont qu'une seule hâte, arriver à la finale, et qui gagneront par là même une certaine réputation. Un véritable lexique du versus fighting prouve la technicité de celui-ci. On parle de chop, de pif, de cancel, de hitbox, de fury, de dragon, de juggle et même de mokubinisme en référence à un certain joueur qui utilisait le spam de touche. C'est-à-dire, comme beaucoup le savent, les débutants en général spamment une touche, c'est-à-dire qu'ils appuient plusieurs fois de suite sur une même touche ou sur diverses touches sans vraiment savoir ce qu'ils font en espérant gagner. Et ça peut marcher. De nos jours, le retour aux jeux de combat est accentué grâce aux crossovers comme la mythique rencontre de Tekken et Street Fighter qui est récente. Le retour à l'old school permet aux jeux versus comme Guilty Gear et Virtua Fighter de retrouver la dorure du passé. Et aujourd'hui, ce top 5 consistera à dire les personnages que j'ai préférés dans les versus fighting auxquels j'ai joué. Ils sont pas nombreux, certes, mais certains caractères m'ont particulièrement plu. Et on commence tout de suite avec le numéro 5, Ain de Dead or Alive. J'aime beaucoup ce personnage par le fait que son scénario fasse qu'il soit amnésique, etc. J'ai trouvé ça intéressant et il pratique le karaté, un sport que je pratique depuis très longtemps et que j'adore. En numéro 4, je vais placer Lao de Tekken, tout simplement parce que c'est un personnage qui me rappelle un peu les vieux films que je regardais de Bruce Lee et que j'aime bien aussi le côté qu'il a cuisinier, etc. avec les autres rapports au personnage dans Tekken. Le numéro 3, ça vient de Soul Calibur, c'est Killik. J'aime beaucoup ce personnage aussi, tout simplement parce que il manie le bâton et je trouvais ça assez sympa. Bon, il y a Seumina aussi, mais je l'aime moins que Killik, je ne sais pas, peut-être son skin tout simplement me plaît. En numéro 2, on va parler de Tekken encore une fois avec Lee Shaolan. Alors j'aime beaucoup sa technique de combat dans les jeux Tekken. Vraiment, il est aussi rapide un peu que Warang. Et j'aime bien le fait qu'il marche, qu'il tape surtout avec ses pieds. Et enfin, en numéro 1, cette fois-ci ça vient de Dead or Alive encore une fois. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué depuis que je suis petit dans les versus fighting. Il s'agit de Ryu Hayabusa. Tout simplement un personnage que j'apprécie beaucoup parce que je suis très fan de la société Team Ninja. Et que j'adore ce personnage autant dans les jeux Ninja Gaiden que dans les jeux Dead or Alive. Alors maintenant à vous de me dire ce que vous pensez du top 5. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce vert si ça vous a plu. Enfin bref, tout le tralala vous connaissez. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce que vous en pensez et aussi votre top 5 à vous. Allez, si ça vous a ouvert un petit peu les idées sur le versus fighting, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de soirée. Salut !